de l'Espagne. Et vous le savez, derrière le concours, une fois qu'on a envoyé son plat, bah, tout n'est pas fini. Regardez comme il astique, comme il brosse, comme il frotte pour rendre le box en parfait état. Cette cuisine doit être nickel pour les futurs candidats qui prendront place ce soir et commenceront leur cuisine demain matin sur cette deuxième journée du Bocuse d'Or. Je signale d'ailleurs que nous avons comme partenaire du concours Silder, Diverse Care, dont la spécialité est l'entretien et l'hygiène. Et ça nous aide, bien entendu, sur un concours comme celui-là, parce que, vous le savez, le box doit être parfaitement propre, et cela compte dans la note également, la façon dont on traite le matériel et dont on rend sa cuisine. So for the meat platter from Spain, they have the evocation of Alejandra. This elaboration wants to make a tribute of the generations and the generations of cooks that have added their experience, talent, and emotions, creating dishes that have gone beyond borders and centuries. The culinary study of birds has a long tradition in Spain, having been a major influence in the international gastronomy already in Art Historia, the Enrique Valenta wrote in the 15th century, from which the fountains we drink nowadays. I'm sure. Yeah, you're right. You're right. So it looks what they have on their platter is a mushroom layer together with a layer of the guinea fowl breast. Oui. They have used some of the thigh of the guinea fowl. And then they've made a pâté of tripe and offal, and together they have a reduction of guinea fowl, and they've also used some carrot spinach into some type of pâté. Eh bien, du côté de la table de découpe, Angela, on attend le plat de viande, le plat espagnol. Oh là 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 là, ce plat qui est parti à la photo. Ce moment où l'on espère du côté du candidat qu'il ne va pas refroidir. Alberto Moreno qui attend. Merci pour l'Espagne parce qu'il nous le faut en français. Hein. C'est bien. Allez l'Espagne. Il y a comme un petit temps d'arrêt lorsque, Régis, je sais qu'on attend le dernier plat de poisson, le dernier plat de truite qui sortira du box numéro 12 dans quelques secondes, dans quelques minutes, celui de Issam Jaafari pour le Maroc. Et ce sera pour aujourd'hui la clôture des épreuves en matière de poisson, de recettes de poisson. Et voici sorti du box numéro 12, le plat du Maroc, le plat de Issam Jaafari. Ladies and gentlemen, the final fish dish of the afternoon coming out of kitchen number 12 for Morocco. C'est le plat de truite du Maroc avec une truite farcie au fenouil et crevettes grises, un céleri aux trois cuissons en trois textures, légumes du marché aux senteurs marocaines, servi avec une décoction de crevettes grises. C'était le plat du Maroc. Applaudissez s'il vous plaît. So what we have here for the Moroccan trout dish is, so we have a, it's together with a farce meat of the gray shrimp, and they have a reduction of the gray shrimp liquid as well. It's a trout stuffed with a fennel and a gray, with prawns, celery in the free texture. All the vegetables from the market, fragrance, Maroc.
Yeah. Served with a brown decoction. Reduction. Yes. It's okay. Perfect. Decoction. Allez, encouragez-moi pour mon anglais, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je vais vous demander un large applaudissement pour le travail de Régis Marcon qui est avec nous. Et notamment pour la traduction. On a fait des efforts. Voilà, dis donc, tu as donné de ta personne et c'est tout ce qu'on veut, nous, en fait, Régis. Voilà, nous, ce qui compte, c'est de mettre en valeur tout le travail de ces candidats. C'est notre motivation aujourd'hui. C'est important parce qu'il y a du travail derrière, non seulement de l'organisation, mais surtout de tous ces pays qui se préparent depuis longtemps, qui ont la fierté de représenter leur pays aujourd'hui avec leurs produits. Il faut voir quand on leur demande de nous expliquer leurs recettes, leurs yeux qui brillent, quand ils disent « voilà, c'est ce piment qui vient de tel endroit, cette herbe qui a été ramassée en tel endroit aussi ». Et on voit qu'il y a vraiment une fierté de représenter son pays par son produit. C'est ça, le Bocuse d'Or, représenter son pays par ses traditions, par ses produits. Bravo à tous ces candidats. Et quand on travaille en plus devant des supporters venus si nombreux, de tous les pays en présence, on ne peut que féliciter le pouvoir de concentration des cuisiniers qui sont derrière nous dans les cuisines et qui peuvent garder leur sérieux, leur timing, leurs émotions sont rentrées jusqu'au moment d'envoyer. Je dirais que c'est des machines de guerre. Évidemment, hein, ils ont tout se joue aujourd'hui. Vous imaginez les heures et les heures de travail de préparation et tout se passe en 5h35. Il peut arriver des incidents, bien entendu, et ils donnent tout jusqu'au bout. C'est aussi, malgré tout, un concours de vitesse parce qu'en peu de temps, il faut exécuter ces chefs-d'œuvre. Je peux vous dire que c'est vraiment formidable. C'est ça, le Bocuse d'Or. Eh oui, ça donne le frisson, c'est vrai, Régis. Et on est tellement heureux d'être là tous les deux ans pour participer à notre manière à cet événement qui est quand même un sommet de la haute cuisine. Oui, puis nous, on goûte par les yeux, ce qui est pas mal aussi, on imagine. Moi, j'y mets un peu les doigts, mais bon, raisonnablement, tu sais. Il faut. Eh bien, on attend maintenant le plat de viande des États-Unis. Qui ne saurait tarder. Tu sais, c'est marrant, mais regarde, Régis, je vois énormément de monde dans cette salle. Tu as vu le monde qu'il y a, hein, tu as vu. Et on les entend pas. On les entend pas, ça, ils font on vous rire. Entend pas. We don't hear you. That's for you guys, USA. Incroyable, on entend rien. Non, plus fort. Non, t'entends rien, c'est dingue. Est-ce qu'il y a des Argentins ici? Non, apparemment, mais non. Des Australiens, des Chiliens. Des Espagnols! Mais non, c'est. Je sais pas, ils dorment. Et les Français, on les entend plus là! Mais non, il n'y en a pas! Ah, quand même, on croyait qu'ils étaient partis! Non. Est-ce qu'il y a des Suisses? Pourtant, ils viennent pas de très loin, ils devraient être nombreux! Je sais pas ce que vous avez aujourd'hui, vous dormez les enfants, hein? Ah là là, ouais. Je sais pas si vous avez mangé à déjeuner, mais. Ça vous a battu là. Je vous trouve mou. I think the audience has screaming fatigue already because they started really early this morning and now they're wearing themselves out. We still have four kitchens to go with four meat platters to see and the judges have only just been served this meat platter in front of them. At least the fish judges have finally finished up with the fish dishes. They've had a really tough day ahead of them. You know what? I think they're hungry. They need vitamins. I can hear him. Oh, everybody in the audience is definitely hungry. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, sortie du box numéro 9, voici le plat de viande, la pintade de Philippe Tessier, the United States. Welcome out the meat platter from kitchen number 9 for USA. Si
C'est le plat, la pintade des États-Unis. Avec une pintade Napa Valley, servie avec les légumes bio du jardin French Foundry en Californie, un boudin de foie gras de pintade fumée, pudding de maïs, consommé de pintade aux truffes et une salade frisée aux chanterelles. C'était le plat des États-Unis. So what we're looking at here for the meat platter from a Team USA is a barrel oak roasted guinea hen, a sausage of guinea leg confit, white corn mousse, black winter truffle, garden of sweet peas, French laundry garden blossoms and herbs, sugar snap peas, black trumpet mushroom panade, beehive of boudin of smoked guinea liver, grapevine honey, pistachio pan de gin, wild fennel buds, topaz wine glaze, a black truffle consomme, a ragu of gizzard and heart confit, steamed custard and flowering crusts with white corn nest, buttered corn pudding, crisp corn silk, and petite popcorn, served with chanterelles, a salad, a frizzy, garden blossoms, and pickled huckleberry and foie gras jus. So that white corn nest must be what Gavin was talking to us about earlier, where the entire portion of it is all corn on corn, including something that we don't commonly see of crisp corn silk. Là, il y a quand même un petit moment de tranquillité, parce que c'est toujours l'organisation du concours qui veut ça. C'est qu'au début, la table de dégustation de la viande attend son tour en salivant devant les plats de poisson apportés à la table du jury poisson. Et à la fin, eh bien, évidemment, comme ce sont des gens extrêmement bien élevés, les chefs, ils ne quittent pas leur table avant que leurs amis du jury viande aient terminé la dégustation. Et ça les laisse méditer sur le fait de savoir s'il vaut mieux manger en premier ou terminer les plats. Voilà, qui est une vraie question en restauration. Eh bien, regardez pendant ce temps-là, Christian Tête-Doie et François Adamski en train de présenter ce magnifique plat, ce plat de pintade des États-Unis. Ça mérite une photo, hein. Vous êtes trop beaux, les gars. So now that we've continued and finished with all 12 of the kitchens for the fish tasting of the day, the judges now have to do all of their tabulations. And what makes this very difficult for them is they have to start all over tomorrow. And of course, they need to judge as fairly as they judge today. So they have to remember 24 dishes as they go along throughout 2 days at the Bocuse d'Or, figuring out how they judge to make sure it was fair from one day to the next. So let's talk to one of the presidents of the jury who has a long-standing history of being in the top of standing here at the Bocuse d'Or. So now we have with us the president from Denmark. Now that we've made some changes at the Bocuse d'Or, we have more vegetables that are being incorporated into some of the fish dishes. How do you feel about what the teams have done with spontaneity and having to think on their feet? It is difficult because it's a new garnish, and a lot of the concerts have been thinking about it at home, and I don't think they have been thinking a lot of celery. I think they have been thinking a lot of more other dishes, but so far it has been up and down. So, but it's, you know, it's hard when it's been training for 2 years, and then the day before you get one of the garnish. So I can understand them, of course.
Yeah, that's actually very interesting, especially for Denmark. We know that Denmark has like this super history, especially with Rasmus Kofoed, who came here and is the only person to have ever have won all three of the Bocuse d'Or medals. He started with bronze, then competed and had a silver, and then took back a gold as well. So he's the only one with the three statues. And we know that he trains for over a year, every year before he comes to compete. And so if he had one of these curveballs thrown at him, he would have had to think on his feet as well. They didn't know what vegetables they were going to get at the market last night. Alors moi, je vais me déplacer vers la table de découpe parce que je pense qu'il y a un travail magnifique, très beau travail des États-Unis. Oh, that's super adorable. Look at the little beehive that's there. And you can see the corn silks that we were talking about earlier on Team USA's dish here. It's not on the big screen. They're actually, those are the guinea fowls that are on the big screen. But what they have is corn silks and the small little popcorns on it, the small little pieces of popcorn on it. And there's a quenelle of corn as well. So what you can see on the screens is the Team USA has used a mold in order to do the shape of the guinea fowl again. So the way that they put it back together, it's the shape of the bird itself, and that's how they're going to start, I almost want to say deboning it, but it's not, deconstructing it in order to put it on the plates. Gentlemen, welcome out from kitchen number 10, the meat platter from Estonia. Voici le plat de viande du box numéro 10, Dmitri Aliukov, Estonie. Estonie. Tandis que sur la table de découpe, on est en train de redresser les assiettes américaines, eh bien le plat estonien est parti à l'assaut de nos jurés. It's for you. Alors, une pintade farcie au riz de veau, truffe, garlic rocambole, avec la peau de la pintade, relevée de gingembre et de poivre. Avec un trio de chanterelles, une tartelette liquide aux morilles, échalotes et persil. Un bouquet de petits pois sucrés avec des mini asperges, petite mayonnaise à la nette. Une étuvée de lentilles, céleri et de légumes divers avec des morilles sautées. Et un beurre fermenté comme sauce avec une crème de bolet. C'était le plat de l'Estonie. Okay, so what we're looking at here for the meat platter from Estonia, they're calling it the guinea fowl remplay, a composition of guinea fowl with black Angus sweetbread, Gotland truffle, rocambole of garlic, crispy flavored fowl skin, Estonian rye bread, and African ginger cream, double cream. They have a trio of chanterelles, and a spear, a tartlet, and liquid chanterelle, morels, shallots, and persil.
a bouquet of sugar snap peas, white asparagus radish, dill mayonnaise, and a stew that's using offal, lentils, celeriac, and winter vegetables, and sautéed morels, fermented elderberry butter sauce, and a creamy foam of boltsas. And that is Estonia's meat platter. Aha, we have a tweet. This one's for you, Angela. What are the rewards for the winners besides the highest honor of winning the most prestigious culinary event in the world? They get the beautifully crafted, if they're here and they stand on the podium, they get the beautifully crafted Bocuse d'Or trophies, the statues themselves. And what are the prizes for this year? I don't know the monetary value. I think it's 20,000 euros, but Régis is going to ask. 20,000 euros, 20,000 euros. 20,000 euros for gold. Voilà, pour le Bocuse d'Or. Voilà qui répond au tweet de Frank Nees. Je vous rappelle qu'il suffit de faire hashtag Bocuse d'Or et vous aurez la réponse à vos questions. Actually, speaking of the prizes, we have some really interesting facts and figures here, if anyone else is curious about certain things like that. So there were 60 national selection rounds in order to get to this point. We have 24 countries here over the next 2 days. The minimum age for participation is 23 years old. The duration of the competition is 5 hours and 35 minutes exactly. And they have to use 50% of vegetable ingredients for the fish recipes. And they are going through 125 kilos of meat. So those are some of the figures and numbers that are happening this year at the Bocuse d'Or 2015. Voilà ce magnifique plat marocain. Qui revient vers la table de. Qu'est-ce que je raconte? Estonien. Ah, un tweet. Ah, more and more tweets in English. Daria, what would be a reason to be disqualified from the competition? Ah, good quelle question. Serait la raison pour être disqualifié? First of all, being naked in the kitchen. Oh dear, planting the seed. It's forbidden. That's one of the things that are forbidden. Okay, that was contest rule number one. Has there ever been a disqualification? Like cooking some forbidden ingredients? Like? Ooh, oh, what that's would be very forbidden interesting. Ingredients? Let's say anything that would temper and alter the state of a judge's of mind. Guinea or oh, yeah, I didn't actually go there. I went somewhere else. Salmon instead of trout. So then you think that someone's ever come in, stuffed their pockets full of salmon, and said, oh, I'm going to cook salmon, and it's going to taste just like It would be like a good trout. Reason if you brought something that's already done. You know, that's already prepared. Mm-hmm. Hein, well, si, par exemple, on apportait des choses qui soient déjà préparées, on pourrait être disqualifié. Has anyone ever been disqualified? Non seulement on retire la marchandise, mais on peut être disqualifié suivant
suivant l'erreur, parce que quelquefois, ce sont des petites préparations. Je vais vous prendre un exemple ce matin, un candidat qui a amené un foie gras qui était déjà un petit peu mariné en escalope. Or, dans le règlement, c'est escalope de foie gras brut, donc il faut bien lire. Le règlement, il y a tellement de petits détails, et pendant 5 mois, avec tout le comité d'organisation, on a répondu à des petites questions. Ce n'est pas toujours évident, parce que des fois, ça prend le cœur de dire non pour certains produits. Puis il y a aussi toutes les questions au niveau du matériel qui est autorisé ou pas. Alors tout simplement, pourquoi ? Ce n'est pas par but de restreindre le matériel pour le candidat, mais c'est surtout, les box ont une certaine surface et ça deviendrait ingérable si on ne mettait pas l'eau là. D'un produit que voulait apporter un candidat et que vous avez dû refuser ? Je ne sais pas, un barbecue, oui. une rôtissoire. Ah là, tu parles du matériel, oui. Rôtissoire, évidemment, oui, parce que là, c'est pour des raisons de sécurité. Puis la fumée, c'est des choses qu'on ne saurait pas gérer, voilà, tout simplement. Mais ça n'a pas empêché que ce soit l'Australie, je crois, un autre pays, de faire un barbecue. On arrive à faire un barbecue différent. Hein, je pense avec un couvert qu'ils sont arrivés à le faire. Il faut faire preuve d'ingéniosité un peu. Mais on s'aperçoit que dans ce genre de concours, l'excès de matériel nuit vraiment à la préparation et à la préparation du plat. Parce que vouloir amener trop de matériel, ça déstabilise un petit peu le candidat. On l'a vu, nous, notamment dans les chronomètres. Quand vous avez trop de chronomètres, on passe son temps à vérifier si les chronomètres sonnent ou pas. Je pense qu'un ou deux chronomètres, c'est largement suffisant. Sinon, après, ça devient presque trop technique. On ne sait pas pour vouloir travailler à l'ancienne, c'est pas ça que l'on veut au comité d'organisation, mais à un moment, il y a certaines limites sur lesquelles on peut pas aller, bien évidemment. Merci Régis. Thank you so much. So what's interesting about that and about the concept of whether or not you could be disqualified here is that there are so many chefs that are walking around and looking over everyone's shoulder at any given point of time. You can see how the kitchens are more open this year, so people can walk back and forth in between the kitchens, so you can really see everything that's going on in there. And this year, Bocuse d'Or is trying to go more environmentally friendly and really cut down on all of the food wastage. So they're being judged on those things as well. There is no way anybody would be able to smuggle something in or get something in that they weren't supposed to be using. Angela, it's not a matter of cheating. It's a matter of not knowing the rules sometimes. That's why the committee is here to help us. Yes. So everything that comes off of the trucks is often looked over and judged before it even comes into the kitchen. Voilà, on a répondu au dernier tweet. Comme quoi les tweets, c'est utile pour savoir un peu comment marche le règlement ici. Pendant que notre jury, notre présidence du jury est en train de déguster le plat des États-Unis, le plat de viande, le plat de pintade. Alors je me tourne vers Arnaud Lallemand, l'assiette champenoise que vous connaissez, 3 étoiles. Arnaud, tu es un expert du goût, puisque tu es un grand chef. Est-ce que ce que tu as goûté ici aujourd'hui était bon ? Tu vois, moi je veux la question la plus simple possible. Est-ce que c'était bon ? Oui, il y avait plusieurs plats qui étaient même très bons. Bien assaisonné, avec des belles cuissons, des beaux accords et vraiment des belles choses. Des belles choses, et là on ne parle que du poisson. Ça te fait envie quand tu vois la viande qui passe? Ouais, à part de goûter du poisson, on a envie de goûter la viande. Welcome out the meat platter from Merci, kitchen number 11 for Switzerland. Voici le plat de viande de l'équipe de Suisse. Et c'est Christophe Marguin qui s'y colle ce coup-ci. Comme quoi tout le monde bosse ici, hein, c'est fou. Ah, c'est une équipe, hein, le comité d'organisation. Oui. Voilà les assiettes qui passent, aucune ne s'arrête. Pendant que le jury de dégustation des viandes est en train de terminer son travail, eh bien, le jury de dégustation du poisson est en train de terminer ses notes, est en train de regarder, de jeter un dernier œil à ses notes. Pendant cela, on leur présente tout de même le plat de viande, car, comme le disait Arnaud Lallemand à l'instant, à force de manger du poisson, on mangerait bien de la pintade. Voilà, ce plat suisse avec une belle tresse. Alors, le titre. En brioche. J'ai demandé à Franck Giovannini, qui doit connaître
ce plat par cœur. La tresse qui est autour des pintades, des coques de pintades, en quoi elle est? C'est la brioche, ouais. Comme une tresse, quoi, comme une brioche tressée. Merci, merci Franck Giovannini, qui est le chef des cuisines de l'hôtel, du restaurant de l'Hôtel de Ville, à Crissier. Une bonne adresse, un petit resto sympa, je vous le conseille. On en entend parler depuis quelques temps. Et c'est Franck qui tient tout ça de main de maître. Alors, tu sais le titre du plat de la Suisse, Retour dans l'œuf. Ah, d'accord, d'où la forme ovoïde de ces deux coffres de pintade. Voilà. Avec adjoint. Une pintade fermière à la bernoise. Le foie gras, truffe, avec une farce fine et petit pain au lait. Un jus perlé façon salmi, monté crème et foie gras. Une cassolette de champignons sauvages, du choubarg. Bollet, chanterelle, champignons, ça me parle. Fantaisie de pommes de terre dorées aux oignons confits. Une trilogie de carottes de Sealand aux noisettes torréfiées. Avec une crème prise de petits pois crus et crus. So what we're looking at here for the meat platter from Team Switzerland is they have return to the egg. Is that their theme? They have the free range guinea fowl together with foie gras, truffle and fine poultry stuffing in a milk roll. They have Salmis style pearled jus using cream and the jus of the guinea fowl, a cassoulet from wild mushrooms from the area of Choubarg. They have golden potatoes with caramelized onions, a trio of Sealand carrots with toasted hazelnuts, and an egg custard of lightly cooked peas. C'était le plat de la Suisse. Ça va, Nadine? Regardez-moi la beauté de ce plat suisse. Ah, mais dis donc. Ouh là là, j'ai l'impression que c'est pour moi ça. Je finis ma photo et après je réponds au tweet. Oh, ce petit jardin, ce jardinet. Magnifique. On se croirait dans la région bernoise. Alors ce tweet, qu'est-ce qu'il nous dit? Quels sont les principaux critères de notation? Très bien. Je vais me tourner vers Thibaut Ruggeri qui a les fiches sous les yeux. Thibaut Ruggeri, président du jury international, dernier vainqueur en date. Thibaut, tu dois être maintenant un peu... Voilà, au courant de la notation. Alors, quels sont les principaux critères? Tu peux nous dire les critères et les notes qui s'y rapportent? Bien sûr. Donc, concernant le plat de poisson, il y a trois critères, trois catégories de notes, présentation, donc sur le dressage de l'assiette, sur l'originalité, les volumes, la technique, sur 20 points. Ensuite, sur 40 points, il y a le goût, qui est donc deux fois... plus lourd que la présentation. Donc, et ensuite, vous avez un troisième critère qui est sur 20 points, qui lui est la présence d'au moins 50% de légumes dans la garniture. Donc, avec cette volonté d'arriver sur des assiettes telles qu'on pourrait les sortir au restaurant. Donc ça, c'est la cotation du poisson.
Et sur la viande, on a aussi trois grandes catégories. La première, c'est sur la présentation du plat et du dressage à l'assiette. La deuxième, c'est de nouveau le goût qui est sur 40 points. Et la troisième, c'est le fait qu'on puisse déterminer en voyant le plat de quelle origine géographique il est et retrouver les mœurs et la culture du pays dans ce plat. Merci Thibaut Ruggieri, on peut l'applaudir, on répond au tweet et on peut dire que donc la note de dégustation fait la moitié des points, 40 points sur 80, donc c'est effectivement la plus importante. Thibaut, est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, quelque chose qui doit te hanter encore dans tes nuits, qui te revient peut-être parfois comme un cauchemar, les deux plats que tu avais présentés au Bocuse d'Or, est-ce que parfois tu en rêves encore ? J'en rêve surtout ces dernières nuits, là. C'est vrai que ça revient fortement en tête. On avait comme produit imposé un turbo label rouge breton sur le poisson et en viande, on avait un filet de bœuf irlandais maturé 21 jours. Et c'est vrai que on avait travaillé, nous, sur un thème commun pour les deux assiettes qui coïncidait avec la naissance du jardinier André Lenôtre, qui a fait notamment les jardins de Versailles. Et on s'était mis comme objectif de décliner un jardin un peu printanier sur l'assiette de poisson, donc un petit peu fou, un petit peu frais, pas trop strict, alors que sur le plat de viande, on a vraiment essayé de retranscrire les codes versaillais, c'est-à-dire que vous imaginez visiter le château et qu'on vous interpelle à la sortie en vous disant bah, qu'est-ce que tu as retenu de Versailles. Donc j'ai vu de l'or, j'ai vu des perspectives, des différences de niveau, la profondeur, et on a retranscrit ça dans le plat de bœuf avec la symbolique du bœuf en or qui était tout en haut, qui était lui-même posé sur une céramique reprenant le damier au pied de la chambre du roi, et ensuite on descendait dans les jardins. Merci Thibaut. Une petite précision, tu peux nous rappeler comment s'appelait le jardinier de Versailles ? André Lenôtre. Lenôtre, oui, je te remercie, oui, effectivement. C'était donc une publicité cachée à l'époque, hein. Puisque tu avais travaillé avec la maison Lenôtre. Effectivement, ça coïncidait bien. Donc j'avais le bonheur à cette époque d'être encore chez Lenôtre et c'est un plat qu'on a construit ensemble. Ça a vraiment été un vrai travail d'équipe, d'émulation et on est content que ce soit terminé aussi bien. Mais vraiment, c'est un bonheur qu'on a pu partager. Oui, je me souviendrai longtemps de moment où tu as gagné, l'explosion de joie et de toute la maison Lenôtre qui était là d'ailleurs. Je me souviens qu'il y avait Nathalie Zabot qui était là, et Laurent Le Fur, voilà. Et tous les, Yagi Krenzer, Fabrice Prochasson, enfin toute la série, on va dire, des têtes pensantes de Lenôtre. Et c'était vraiment un très beau succès pour une belle maison. Alors, revenons sur notre plateau. Attention mesdames et messieurs. Voici sorti du box numéro 12, le dernier plat de pintade de la journée, le dernier plat qui va être servi à notre jury de dégustation. Il s'agit du plat du Maroc. Ladies and gentlemen, welcome out the last meat platter from the day for kitchen number 12 from Morocco. Écoute Vincent, on va se permettre de rallonger un petit peu l'intitulé du plat. Je crois que nos amis marocains le méritent bien et quand on voit ce plat coloré. Alors le titre de ce plat, c'est les jardins majorelles. C'est présentation des pintades dans l'esprit et la subtilité de la cuisine marocaine à travers tous ses parfums. Et là, vous avez les suprêmes farcis comme des coffres dorés à leur fin. Ils renferment toutes les richesses gastronomiques de la pintade. Les cuisses sont sous la forme d'une ballotine glacée et sont recouvertes de jeunes pousses et de fleurs comestibles. La pintade est accompagnée de poires pochées au jus de grenadine, farcies d'une marmelade de figues, oignons, et de cuisses confites, accompagnées de carottes glacées à l'orange, garnies d'un chutney d'orange, d'amandes, de pistaches. Celles-ci sont entourées d'un rouleau de carottes historiées
et lustré d'une vinaigrette au miel et au citron marocain. Des barquettes qui annoncent le réveil du printemps. Ces barquettes sont garnies d'un ragoût de petits pois. C'est la saison au Maroc. Fèves, pointes d'asperges et morilles. Et oui, on trouve des morilles au Maroc. Elles sont recouvertes d'un voile léger à base de petits pois et décorées à la feuille d'or. Ce plat est accompagné d'un jus de volaille lié aux truffes. C'était le Maroc. Un grand tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Et reprends ton souffle, Régis. Oh, je pense qu'il le méritait bien. Ce sont les derniers qui passent aujourd'hui. Ce plat est tellement merveilleux. C'est tellement ce que nous, on veut voir au Bocuse d'Or. Les pays qui s'expriment avec leurs produits, leurs traditions, leurs plats et leurs candidats. Bravo. Alors, voilà, on parlait à l'instant avec Thibaut Ruggieri de... sa victoire il y a 2 ans, et il nous parlait des jardins de Versailles, des jardins d'André Lenôtre. Et bien, j'espère que les jardins Majorelle, puisque c'est le thème choisi par le Maroc, leur porteront bonheur à leur tour. That's right. The inspiration for this from Morocco, it does kind of seem very reminiscent of the winner from last year, from Thibaut's dish that was inspired by the gardens of Versailles. So what we're looking at here is in the heart of Moroccan art, from the magic city of the Red City, between the freshness of the Atlas and the warmth of the architecture emerging from the earth. These gardens illustrate the most wonderful color contrast, a source of inspiration for a gastronomic journey through the heart of Marrakech, where the falls and blue marrying, oh, where the ochre falls and the blue marrying the purity of the sky and the water from the fountains. So what we have here is a presentation of guinea fowl following the theme and colors and the delicacy of Moroccan cuisine with all its flavors. They have breasts of the guinea fowl imagined like golden boxes holding the culinary richness of the guinea fowl. The sides have been shaped as a glazed ballotine and covered with a delicate and edible flour. The guinea fowl is served with poached pears in a pomegranate juice, served with a fig marmalade, onion, a confit of leg, glazed carrots with orange, filled with orange chutney, almonds, and pistachios, surrounded by a carrot roll, together with honey and a lemon vinaigrette. Punnets that announces the awakening of spring, filled with a stew of peas, broad beans, asparagus tips, morels, and covered in a light veil made from peas and decorated with golden leaf. So coming up shortly, we are going to be having a few presentations, and also, as you all have noticed, that there was a mystery vegetable in the fish dishes today for all of the teams. They had to use celery in their dish, and those lots were drawn yesterday at the Metro Market. So for tomorrow's teams, for day 2, we're going to be doing the drawing right here on stage in a very short while. There are 3 ingredients that are going to be chosen out of a hat. Oui, tandis que se termine la dégustation du dernier plat, de l'avant-dernier plat de nos amis suisses, le plat de pintade, eh bien, on est à la découpe côté marocain. Et croyez-moi, avec un respect des particularismes en termes de vaisselle, de présentation, et c'est très important sur le Bocuse, qui avait tendance, il y a encore une dizaine d'années, à uniformiser un petit peu les plats qui étaient servis, c'est-à-dire que chacune des nations présentes essayait de se conformer à l'idée qu'on pouvait se faire de ce qu'attendait le jury du Bocuse d'Or, c'est-à-dire un peu l'imitation des plats européens. Et de plus en plus,
Et c'est une volonté du concours et c'est une évolution tout à fait naturelle des nations qui ont confiance dans leur cuisine. On s'aperçoit que de plus en plus, eh bien, il y a une recherche nationale, locale, autour des produits, autour de la mise en forme, autour des types de cuisson. Et c'est très important parce que cette diversité, c'est aussi ce qui peut conquérir le public et les jurés. So the teams had to use some ingredients from their native countries when they came in. So they did get to bring some ingredients with them as they came from their countries over to compete here for the 2 days at the Baku Isdor. So they had to show us some techniques or highlights from where they're from. Voilà, pendant que nous sommes en train de surveiller d'un œil la découpe et le dressage sur assiette, j'entends le son, le doux son, la douce clochette du tweet at Mabicina. Quel est le budget des préparations? J'ai envie de dire plusieurs dizaines d'euros. Oui, là, hein, rarement en dessous, hein. C'est important aussi. Il y a un ticket moyen qui est assez haut quand même. Ouais. Hein. C'est important de parler aussi de ces budgets parce que, comme tout, on dit il y a tout et n'importe quoi. Hein, les pas budgets, moi quand même. Non, pas ah du bon, tout. Ah bon, Régis, tu m'as fait peur. On a vu des sommes annoncées extrêmement importantes. Je ne sais pas les budgets des candidats de cette année, mais je peux vous donner une idée sur 2013, par exemple. Vous aviez les premiers budgets de petits pays qui commençaient à 6 000 euros. J'entends dans 6 000 euros, c'est les 4 mois de préparation, produits. Je ne comprends pas le salaire du candidat. Et dans les pays les plus importants, on va jusqu'à 100 000 euros, 120 000 euros exactement à peu près. Après, ce sont des budgets souvent dans les grandes équipes. Alors les grandes équipes, on pense bien sûr à la France, bien entendu, à tous les pays d'Europe. Il y a les États-Unis. Les États-Unis. Des gros investissements. J'enlève tout ce qui peut être voyage, bien sûr. Oui, billets d'avion, hébergement. C'est là où il y a le coût monte vraiment. Et la plupart du temps, ce sont des sponsors, des équipes bien préparées. Ce qui explique d'ailleurs que. Enlève les truffes aussi. Ah, les truffes, oui, le ça fait partie. Non, il y a pas mal de fournisseurs qui aident quand même. Mais c'est loin des 300 000 euros qu'on a pu entendre certaines fois. C'est beaucoup basé aussi sur le volontariat des équipes. Savoir que souvent, ceux qui ont donné le ton, ce sont les équipes du Nord. Pourquoi souvent on les retrouve sur le podium? C'est parce que l'équipe est structurée. Elle est là depuis 20 ans. On change très, très peu de responsables. Et automatiquement, quand le thème arrive, ils sont prêts dès la première minute. C'est ce qui explique en grande partie leur succès. Et puis, bon, il y a des nations qui sont plus compétiteurs que d'autres. Nous, on souhaiterait, par l'intermédiaire des thèmes, de tout le règlement que l'on met en place, que ces petits pays, avec des budgets plus limités, puissent accéder sur le podium. On l'a vu dernièrement, en 2013, avec le Japon, qui n'avait pas un budget faramineux quand même, mis à part les voyages, je répète, sont arrivés quand même à monter sur la troisième place, ce qui était tout à fait honorable. T'as raison quand tu dis que les équipes ne changent pas, enfin, les candidats changent, mais l'encadrement reste souvent le même. Je pense à, je sais pas, des amis comme Heavy Dainstrom ou Stirla Birgisson ou Thomas Keller, ou même certains d'eux qui sont là depuis 20 ans. Bien sûr. Qui reviennent tous les deux ans depuis 20 ans, depuis 18-20 ans. Les présidents des délégations, ils sont bien en place parce qu'ils connaissent le système. Oui, alors il n'y a rien de nébuleux dans tout ce que l'on peut faire au niveau du règlement. Tout simplement, un règlement, il doit être appliqué, il doit être lu et il est plein de petits détails qui demandent un petit peu aussi d'expérience. Ne serait-ce que les détails techniques dont on a parlé aujourd'hui, quel est le matériel auquel on a droit à amener ce genre de compétition, quel est le produit qui est autorisé à amener, et puis bien lire le règlement qui est plein de détails. Et c'est vrai que ces équipes sont très averties à ce concours, ont l'habitude, et le gèrent comme on gère un peu la Formule 1. Ils ont le matériel, les équipes autour, et ça permet d'assurer souvent le haut du podium dans la plupart des cas. Mais
Notre règlement les chatouille quand même un peu, parce que connaître un légumistère au dernier moment... Il te gratouille. Les deux. Les deux. Non, mais je crois que c'est important d'amener de la nouveauté de ce concours, qu'elle soit plus par rapport à la restauration que l'on trouve actuellement. Vous voyez, tu vois les assiettes qui sont servies aujourd'hui, ce pourrait être des assiettes qui sont servies au restaurant de tous les jours. C'est ça qui est important. Merci Régis. On est en train de se caler avec Ursula. Thank you so much. Écoutez, puisqu'il est à ma montre 15h38, je crois que c'est précis, c'est une montre suisse, donc c'est l'heure du champagne. 15h38, c'est toujours l'heure du champagne. Something that everybody wants d'ailleurs, to hear c'est about. L'heure du champagne toute la journée sur l'espace concours, puisque je reçois Paul-Henri Vranken, qui est propriétaire du champagne Pommery, qui est partenaire du Bocuse d'Or. Monsieur Vranken, merci de nous rendre visite aux couleurs de la marque Pommery. Merci, et puis très heureux d'être à vos côtés à cette heure champagne de 16h38. Ah oui, vous souviendrez désormais. Absolument, je n'oublierai jamais plus. Alors, on est content de vous voir sur cet espace du Bocuse d'Or. Vous me disiez, dans la coulisse, être impressionné par la ferveur et par l'ambiance qui règne ici sur ce plateau. Oui, je pense que c'est tout à fait extraordinaire. C'est quand même la plus grande manifestation du monde. C'est très, très impressionnant quand on la découvre. Ça la découvre, surtout aujourd'hui, je trouve qu'il y a une animation, un grand plaisir de tous à participer à cette manifestation. De gourmandise, je crois que c'est ça. C'est un grand plaisir à la fois de déguster, mais peut-être de le voir faire. Parce que quel métier ! Bravo ! Je vous remercie. Et comment est-ce que, parlons de votre métier plutôt, quels sont les rapports entre le métier de ces grands cuisiniers artisans d'art, on va dire, et le métier de vigneron et de maison de champagne? Mais je crois que il y a beaucoup de similitudes. En tout cas, la première, c'est que le champagne est un vin très difficile à produire, car nous avons 28 opérations qui nous conduisent à le conduire, ce merveilleux produit sur vos tables. Si c'est un produit de fête, quand vous le dégustez, avant, il y a quand même beaucoup de travail et beaucoup de sueur. Je crois que c'est ça ce qui rapproche effectivement le chef de cave du cuisinier. Je crois que c'est aussi simple que ça. Il y a un chef de cave en champagne, il y a un chef de cuisine dans vos maisons, et tous les deux ont cette envie de très, très, très bien faire. En tout cas, en ce qui concerne la maison Pommery, c'est le cas, et je pense que même à 16h40, on peut poursuivre. On est encore à l'heure du champagne, voilà. J'espère. Et comment est-ce que Pommery en est arrivé à décider ce partenariat avec le Bocuse d'Or ? Il y a eu une maturation de la pensée. Alors, je vais vous dire qu'il y a effectivement une maturation. De vous dire que le Bocuse d'Or n'est pas connu serait mentir, puisque de toute façon, le Bocuse d'Or, tout le monde le connaît. Ça, c'est la première chose. Mais il y a quand même un événement qui s'est produit. C'est-à-dire que j'ai croisé, rencontré Olivier Ginon. Et donc, pour tout vous dire, c'est avec une telle chaleur qu'il m'en a parlé qu'on ne pouvait plus le résister. Il vous a emmené dans son histoire. Absolument. Il m'a vraiment emmené dans son histoire. Et comme nos histoires se ressemblent un peu, je pense qu'on avait beaucoup de plaisir à en parler, chacun de notre histoire. Alors moi, ça me pose une question qui est, à mon avis, essentielle, puisque je sais que les gens qui consomment du champagne, c'est-à-dire tout le monde, globalement, hein, le monde entier, et dans toute catégorie et d'âge, et socio-professionnel, et social, tout le monde boit du champagne à un moment de sa vie. Est-ce qu'on a souvent du mal à associer le champagne à un repas, à une expérience culinaire ? Vous, par exemple, qui aimez forcément votre produit, vous diriez que Pommery, c'est un champagne de quel moment ? Alors, je pense que ça dépend des qualités de Pommery qui sont présentées et dégustées. Parce que à la maison Pommery, vous avez à la fois le champagne d'apéritif, c'est le Brut Royal, vous le connaissez, mais dès qu'on monte, comment vais-je dire, dans les gammes, on arrive après sur Louise, et avec Louise Pommery, vous pouvez le déguster. C'est vraiment un champagne de gastronome. On mange de la grappe, on a ce plaisir incroyable, effectivement, de la dégustation, comme quand on déguste un très grand plat, et que ces grands plats, si j'ai un grand chef, vous donnent une très grande émotion. Je crois qu'on apporte la même chose, c'est cette grande émotion. Et ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est qu'on sent ce qu'on oublie trop souvent lorsqu'on n'est pas, un amateur de vin comme moi, j'estime l'être. On oublie que le champagne, c'est avant tout un vin, et un vin blanc, et un merveilleux vin blanc qui sert effectivement à accompagner tous les repas de viande blanche, de poisson, de fruits de mer, et les desserts, bien entendu. Et tous ces moments-là ont un champagne qui leur correspond.
Absolument. Et je pense que effectivement cette région magique, magnifique, qu'est la Champagne, qui est donc la région la plus septentrionale d'Europe où on produit du raisin, cette région apporte quelque chose par son sol à la vigne. Elle apporte quelque chose qui est effectivement très étonnant, car c'est à la fois de la simplicité et le plaisir de la dégustation en apéritif, mais ce peut être très complexe quand on rentre dans les noirs, qu'on fait les assemblages entre le blanc et le noir. Et ainsi, nous avons effectivement cette capacité à vous suivre. Donc si le chef a grand plaisir à faire son plat, je pense qu'il aura aussi grand plaisir à nous parler pour trouver le champagne qui va accompagner ce plat. Donc je pense que les harmonies peuvent se faire sans difficulté avec tous les champagnes et tous les plats. Monsieur Vranken, je ne peux dire qu'une chose, je bois vos paroles depuis quelques minutes et merci d'être partenaire du Bocuse d'Or. On se retrouve avec plaisir demain pour la cérémonie. Merci à vous. Voilà, c'était 15h44, encore l'heure du champagne sur l'espace Bocuse d'Or. Pendant ce temps-là, on a terminé, Régis, les dégustations. C'est terminé, mais c'est jamais terminé le Bocuse d'Or. Tu sais bien, il y a toujours cette ambiance puisque derrière, dans quelques minutes, on va faire le tirage au sort du légume mystère. Le légume mystère. Tu te souviens d'une bande dessinée qui s'appelait Le concombre masqué ? Qui se souvient du concombre masqué de Mandrika ? Il y en a ici ? Parce que voilà un vrai légume mystère, le concombre masqué, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, est-ce que le concombre fait partie du panier mystère des légumes ? Il faudrait y penser une prochaine fois. Ouais, bah, c'est pas facile à travailler le concombre, hein, surtout en chaud. Hein. Donc, bonne chance. Tu peux nous rappeler quels sont les quatre légumes qui ont été retenus pour ce panier mystère ? Ils sont devant nous. Alors, bien sûr, il en manque un, puisque le céleri a été tiré au sort hier. Ah, donc, ça ne peut pas être à nouveau du céleri ? Non. On tirera au sort sur les trois qui restent, c'est ça ? Automatiquement différent. Mais donc, c'est une indication pour ceux qui passent demain. Déjà, ils peuvent éliminer un. Oui. Bon, ouais, mais enfin, ils ont déjà travaillé dessus, bien entendu. Alors, tu as du poireau, du fenouil et de la butternut. Alors, excuse-moi, Régis. Nous sommes ici à Lyon, capitale gastronomique de la France. J'aimerais bien que tu donnes le nom français de cette courge qu'on appelle le doubeur. De cette cire. Ah ben voilà. Le butternut, ça s'appelle le doubeur. Mais c'est vrai que tout le monde le connaît sous le nom de butternut parce que ce sont souvent des cultivars américains qui ont servi et que les anglo-saxons adorent la courge dans tout son ensemble. Ben, je vois le responsable de notre marché qui est là et il va nous en parler encore mieux que nous. Le responsable de notre marché, mais ce serait Benoît Fetti, le directeur général de Métro. Benoît, ces beaux légumes viennent de chez Métro ? Absolument. Et le doubeur aussi ? Bien sûr, d'où tu veux que ça vienne ? J'adore le doubeur. Je te rappelle que c'est une courge d'abord qui tient très bien au cours de l'hiver et surtout qui a cette finesse de grain. Elle est extrêmement onctueuse sans y rajouter énormément de matière grasse, t'es d'accord ? Tout à fait, puis nous on aime bien la préparer parce qu'elle a d'une part peu de pépins et très facile à tailler aussi. On arrive à avoir des formes intéressantes. Elle profite mieux que certaines courges. Et puis pour les consommateurs et le consommateur que je suis, c'est vraiment délicieux. Ça accompagne n'importe quelle matière première, protéines, poissons, viande. C'est un produit absolument superbe. Alors, beaucoup, c'est formidable. Alors, je dis ça à Régis, hein, c'est, tu y penses, merci. C'est bien. Je t'ai déjà fait ça. Et les fenouilles, qu'est-ce qu'ils sont fermes, dis donc, Benoît, c'est incroyable. Là, vraiment, c'est magnifique. Moi, je dis toujours à ma femme, quand tu vas chercher au marché tous ces bulbes, que ce soit des oignons jaunes même simplement, des fenouilles, je dis, tâte, il faut que ce soit comme de la pierre. Voilà, hein, que ça soit ferme, sinon si les couches successives commencent à se déliter, c'est qu'il a trop vieilli. On regarde le talon, qui ne doit pas être trop rouge ou trop foncé, trop brun. Et ça, j'adore. Ça témoigne de la fraîcheur. Voilà, c'est important. Alors, comment se passe justement le marché chez Métro ? Ben, en tous les cas, les fruits et légumes, c'est un vrai succès dans l'entreprise parce que c'est une des familles de produits qui se développe le plus. Ce qui veut dire que de plus en plus de cuisiniers nous font confiance sur ces catégories de produits. Et ce qui est formidable, parce qu'en fait, ils viennent tous les jours les chercher dans l'ensemble de nos entrepôts, dans les 93 entrepôts de Métro France. Bon, je rappelle, il ne le dira pas parce qu'il est extrêmement modeste, mais que Benoît Fetti a été longuement directeur des achats chez Métro avant de passer à la direction générale. Et moi, j'aime bien un homme qui vient du produit, parce que c'est quand même le cœur du métier, il est là. Hein. Et ce qui est le plus génial, c'est que pour chaque entrepôt, on identifie tous les producteurs de qualité autour de l'entrepôt, et on approvisionne l'ensemble de ces produits locaux et régionaux en filière courte pour nos entrepôts.
Ça, c'est une bonne idée. Alors, on va donc tirer au sort. Qui a une main innocente? Bah non, pas Angela. Attends, tu rigoles. Bien sûr, Angela. Show me your hand, your right hand. Is it an innocent hand? My right hand is very innocent, but I'm not doing the drawing. So actually, what's happening up here at the front of the room is because there was a mystery vegetable that it's incorporated into the fish dishes this year, and this is brand new for 2015. We have with us here from Metro Bernois, who is going to draw out of the last three remaining vegetables. So the teams that are participating tomorrow on day two will know what their mystery ingredient is, and they can prepare their menus. Okay, so now do you have the innocent right hand? Yes, pleasure. Pick up. They're kind of jumbled in there together. Alors, le légume mystère. So mystery products. Qui vient, merci de faire la traduction, Benoît, qui vient d'être tiré au sort pour la deuxième journée des épreuves du Bocuse d'Or est Fennel, en fenouil en français. Merci, monsieur Feiti. Fenouil avec un F comme Feiti, on s'en souviendra. Et qui vient de nos terroirs français. J'espère bien. Alors, ce fenouil, moi j'adore le fenouil, Régis. C'est un légume qui est souvent décrié, que les Italiens cuisinent énormément et qui apporte toujours cette élégance d'un léger anisé, et notamment avec les poissons, avec oui. Les... Hein, ça apporte... Il ressemble beaucoup, enfin il ne ressemble pas, mais au niveau du travail des cuisiniers, on l'utilise souvent un petit peu comme le céleri, parce qu'on peut le servir en salade, très très fin, en purée, il accompagne très bien les sauces, on peut faire des sauces avec... Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est important de l'avoir bien ferme, avec le moins possible de fibres. Et puis c'est vraiment un parfum très spécifique du fenouil. Petite goutte de pastis si on veut, c'est le légume d'hiver. Moi, je pense que pour demain, ça promet encore de belles réalisations avec la truite. Moi, il y a un truc que j'adore, excuse-moi Benoît, je vous donne le truc, hein, mais bon, je ne devrais pas, mais tu sais que je fais une bolognaise, moi j'adore la bolognaise, hein, le ragoulet. Normalement, ça se fait oignon-carotte. Au départ. Hein, et moi, j'y mets un tiers de fenouil dans les oignons. Ça apporte de l'élégance à l'oignon, quand on a une mirepoix, par exemple. Hein, je trouve que c'est ce vous avez écouté les candidats pour demain. Vous voyez, en direct, Vincent Ferniaud vous donne déjà une recette. Wow, t'as pas le droit. Perdre, le gars. Hein, si vous voulez un coach la prochaine fois, et vous savez à qui vous adresser. Bravo. Bon, Benoît, ils sont magnifiques, ces fenouils. Ce sont les mêmes que ceux que trouveront les candidats demain dans leur panier? Absolument. Alors, on a des approvisionnements différents selon les saisons, mais demain, dans le panier, il y aura ces fenouils-là, absolument. Eh bien, écoutez, moi, je me régale à l'avance de ce que l'on va trouver demain dans les assiettes. Et je le disais, aujourd'hui, c'était assez incroyable de penser qu'ils avaient eu le temps de préparer tout leur dossier de recettes en intégrant le céleri qui n'a été choisi qu'hier. Voilà, ça veut dire que soit ils avaient produit de nombreuses recettes différentes avec les différents légumes, ce que je crois, ou soit ça veut dire que les rotatives ont tourné cette nuit. Ou alors ils avaient déjà l'information, est-ce que c'est possible un truc comme ça? Je sais pas, on va lancer le Sherlock Holmes de l'affaire. Régis, qui est notre reporter, notre Tintin reporter dans les cuisines, va enquêter d'ici demain sur une éventuelle collusion. Mais je n'y crois pas trop. Je pense qu'il y a beaucoup de passion et beaucoup de créativité de la part des chefs qui font ça spontanément, utiliser les produits de saison. Oh, c'est certain, surtout un beau produit comme celui-là. Merci Benoît Feiti, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ce beau panier. Moi, j'adore les paniers en plus qui vont avec. Là. Ça, thank c'est très you chouette. So much. And so now teams for day two now know what vegetable they're going to be using, and they can get in and start preparing their menus. It seems quite fair that the teams will be preparing either celery today or fennel tomorrow, because there's different parts of the vegetable that can be used, including the fronds. So that's going to be fascinating to see what the teams can do, and they're going to have to start thinking immediately now. Voilà, à nouveau 12 nations demain. 12 nations qui vont venir ici en compétition pour ce titre de Bocuse d'Or 2015. 15e édition, mesdames et messieurs, une trentaine d'années, ça fait jeune. Hein, pour moi qui en ai fait 20, hein, qui fête ma 20e année, mon 20e anniversaire sur le Bocuse. Et Angela, how many did you? How many editions? Participation, your participation. From 2009. That makes six. It's not bad. No, six, three. Three, four.